Salut à toutes et à tous. Je viens de recevoir le dernier numéro de l'écran fantastique. On va regarder ça ensemble. Voilà. Donc j'ouvre. Le tout dernier numéro pour les abonnés qui l'ont fait. Numéro 10S. 10S. Donc S, voilà. Le reboot avec Mortal Kombat en couverture. Couverture excellente, elle est belle la couverture. Mortal Kombat, le film du mois. L'univers en bataille. Ok, on va voir ça en détail. Pour nous poser un dossier. Alors, on va voir ça en détail. Alors, les news. Comme d'habitude, toujours des news. Des petites news. Des news. Des news. Voilà. La publicité pour les écrans fantastiques vintage. Sur nos écrans, Justice League. Sortie VOD. Voilà. 4 étoiles sur 5. Donc ils ont bien aimé les écrans fantastiques. Voilà. Les autres films cinéma. Ciné VOD, tout, voilà, mini-série. Actualité, c'était dans l'avant-dernier numéro hein, aussi, qui faisait la couverture le mois dernier de Grand Fantastique. Godzilla contre Kong. Voilà, avec interview. Voilà. Ensuite, encore des interviews. Et on arrive au dossier Mortal Kombat. Mortal Kombat, nouvelle partie sur le grand écran pour le jeu vidéo culte. Actualité, ok. Il y a des interviews, hein, on a un peu de tout dans ce numéro. Ce jeu vidéo assez culte. Mortal Kombat. Mega Drive Super Nintendo, ça on s'en souvient. Voilà. Ensuite, Oxygène, huis clos ultime d'Alexandre Aja. Sleep. Nouveau film. Zack Snyder, Justice League. Ce mois-ci sur OCS pour les abonnés. Voilà, le nouveau Zack Snyder, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. J'attends sa diffusion sur OCS à la fin du mois. Voilà, donc. Ensuite, on a la partie DVD Blu-ray. DVD, La Nonne, ouais, Wonder Woman 84, entre autres. Possessor. David Cronenberg, Jack l'Éventreur, etc. Planète Hurlante. L'île Fantastique. Voilà, l'île Fantastique aussi, hein. 1 et 2. Chez l'éléphant. On a la partie livre, comme d'habitude. Dernière parution, etc. Album. Bande dessinée. Bande dessinée, ciné-livre. Avec la sortie chez... Regardez-moi ça, La Planète des Singes. Didier Lardet, La Planète des Singes. Édition Iris, pour ceux qui connaissent les éditions Iris. HP Lovecraft, en jeu vidéo. Voilà, encore pas mal de bouquins ce mois-ci. Récit de l'Apocalypse, Jean-Pierre Androuvon, dans l'écran fantastique aussi. La partie manga, comme d'habitude, une petite page pour aller parler de manga. Avec Parasite, spin-off sanglant, Parasite réversi. De Black Tu, Parasite, spin-off, déroule aussi ce mois-ci en mai. Jeune garçon, t'as gagné une famille pour qu'ils en fassent une suite à ce sujet.
Vidéodrome, ça c'est le jeu vidéo en une page. Ensuite, série télé. Maroni 2, je ne connais pas. Maroni 2, nouvelle série télé. Sur Arte TV. Toujours série télé avec WandaVision, encore WandaVision. Hein, on en a beaucoup parlé cette année. En plongeant les téléspectateurs de la psyché de son héros et WandaVision, amorce une réflexion intéressante sur le deuil. Donc ils ont fait un sujet. Voilà. Sur le deuil. Il y a quand même 6 pages. Voilà, donc nouvelle analyse par une autre rédactrice sur le sujet. Voilà. On retrouve la fameuse chaque mois les news qui nous paraissent les plus enthousiasmantes, ainsi que le suivi et les commentaires de l'actualité série en série. Série en série avec Star Wars Obi-Wan Kenobi. Troisième mini-série événement Obi-Wan Kenobi a débuté. Westeros, terre d'accueil. HBO commande 3 autres spin-off de Game of Thrones. Voilà, en gros, on vous dit. Alors, en gros, sa série phare s'est terminée en mai 2019, mais la chaîne entend poursuivre l'exploration du monde fascinant de J.R.R. Martin. Elle vient de conclure un accord de 5 ans avec le romancier pour développer des spin-offs et 3 séries. Le premier projet, baptisé provisoirement 9 voyages, sera chapeauté par Bruno Heller, le mentaliste. Réalisateur mentaliste qui a déjà travaillé avec HBO sur Rome. L'histoire s'attardera sur les voyages mouvementés de Lord Corlys Velaryon, surnommé le Serpent de Mer. Il est incarné par Steve Toussaint, Prince of Persia, mais, qui apparaîtra aussi dans House of Dragon, un autre spin-off annoncé l'année dernière. La seconde série, dont le titre est 10 000 ships, 10 000 vaisseaux, est centrée sur la princesse guerrière Nymeria qui a fondé le royaume de Dorne. Enfin, le dernier projet se déroule à Flea Bottom, culpissier dans la VF, le quartier pauvre et malfamé de Port-Réal, qu'on a vu à plusieurs reprises dans sa série mère. Pour rappel, HBO souhaite en outre adapter les aventures de Dunk de l'œuf, et l'œuf, pardon, un recueil de nouvelles de Martin qui prend place 100 ans avant Game of Thrones. Par ailleurs, hors le trône de fer, l'œuvre du romancier séduit également puisque sa nouvelle série de science-fiction Les Rois de Sable va être adaptée en film par Gore Verbinski pour Netflix. Autre sujet, Invasion Disney. Voilà, Invasion Disney, Secret Invasion. Avec Nick Fury, compagnie, Samuel Jackson, vous connaissez hein, si vous êtes fan de Marvel. Apportera des réponses, des acteurs reprennent leur rôle respectif, etc. Donc ça sera réadapté. Secret Invasion, dont on voit d'ailleurs une petite image ici. Là. Voilà, c'est ça. Marvel. Les horreurs de la mer. Ryan Murphy a dévoilé le nom de la saison 10 de American Horror Story. Voilà. Intitulé Programme double. L'intrigue comprendra deux histoires horrifiques. L'une au bord de la mer, l'autre sur la plage. Le titre a beaucoup fait spéculer. Franz Conroy est de retour. On l'avait vu dans. Dans 6 pieds sous terre, notamment. Aux côtés d'acteurs familiers du show, un nouveau venu fait sa première apparition, Macaulay Culkin, l'ex-enfant star, Maman j'ai raté l'avion, qui selon Murphy aura une scène assez folle et érotique avec Katie Bates, ouais, ça promet. Hein. Poupiteuse, Fiona Dorif reprend son personnage iconique dans la série très attendue dont j'attendais longtemps, c'est Chucky évidemment, l'adaptation série ce coup c'est. Dernière année de la populaire franchise de show créée par Don Mancini, qui a écrit et dirigé par ailleurs le premier opus. Fiona Dorif a aussi incarné Niska Pierce, rôle qu'elle tenait dans La Malédiction de Chucky et Le Retour de Chucky. Elle retrouve son père Brad, hein, Brad Dorif. La voix originale de la poupée maléfique depuis Jeux d'enfants en 88, qui participe aussi à l'aventure. Alors, 4 acteurs ont été recrutés pour les rôles principaux. Voilà, Zachary Arthur, entre autres, voilà, 4 acteurs, quoi. Des lycéens qui vont être confrontés à Chucky, mais ils ne seront pas les seuls. Selon le synopsis officiel,
Lorsqu'une vieille poupée fait son apparition dans un vide-grenier de quartier, une paisible petite ville américaine est ensanglantée par une série de meurtres terribles qui commencent à dévoiler les secrets de ses habitants. Alors, côté Devon Sawa, destination finale, et un autre visage familier du cycle, Jennifer Tilly, qu'avait joué Tiffany, une des sœurs de Chucky, hein, si vous connaissez comme moi les différents films, sont récurrents. Voilà, normalement Chucky, c'est une série pour Syfy, hein, si je dis pas de bêtises. C'est Syfy qui avait commandé la série, la chaîne américaine Syfy. En France, on ne sait pas qui la distribuera, est-ce que ce sera Syfy ou Netflix, ou on ne sait pas, c'est pas forcément Syfy qui distribuera la série en France. Téléportation périlleuse, Stephen King, voilà, on vous parle, et Rencontre extraterrestre, l'homme qui venait d'ailleurs. Créé par Les Kurzman et Jenny Lumet, d'accord. 76. Donc une adaptation à ce sujet, une nouvelle série pour Paramount+. D'accord, bon, on va voir. Et ça, c'est aux États-Unis. Vous voyez, beaucoup de news intéressantes en série, en série. L'actualité des bandes originales aussi. Voilà, comme d'habitude. Et on arrive à Fantastica. Highlander. Voilà, donc un dossier sur le sujet. Highlander, voilà. Sean Connery notamment. Tout un dossier sur le sujet. Il y en a des pages. Highlander 2. Ah, pareil. Après, ce sont les hommages. Voilà. Toxique. Ouais, des films, c'est. Hein? Ouais. Regardez ça. Bah oui. Voilà, entre autres. Becky. Nightingale. Nightingale toxique. Les confessions du père de Jason. Retour sur la carrière de Shane Sexton Cunningham. La franchise Jason. Jason 29 en enfer. Évidemment, on parle forcément de Freddy quelque part. Voilà. C'est une légende. L'important, c'est l'image. Horror Story. Poster décrypté, Beetlejuice, poster décrypté. Voilà, donc. Et une publicité à la fin pour une série sur comment dire, la guerre des mondes. Ça, c'est la version de Canal+. Non, attends, ouais. Ranger un BBC. Ouais, c'est la version BBC. Avec Robert Carlyle, oui, il est bien dedans. Ouais. Voilà. Avec les bonus d'Alain Carazé aussi dedans. Ils disent. Éléphant, film. Le 19 mai en Blu-ray et coffret de DVD. Bah, j'ai pas vu la série, ce sera l'occasion d'acheter la série parce que j'ai pas vu la série. Mais... Voilà. Donc, écran fantastique, très intéressant ce mois-ci. Numéro 10. Voilà. Un numéro très intéressant à retrouver en kiosque dès maintenant, hein. Voilà, mes chers amis. Écran fantastique déjà reçu par les abonnés. Voilà, on se retrouve très vite pour parler d'autres magazines. Salut à tous et abonnez-vous.